Yo, désolé, c'est super fort comme son, j'avais pas fait gaffe. J'ai eu un petit problème de son à l'arrivage parce que j'ai changé de casque. Et ce casque est assez insupportable, il a rajouté un pilote où j'étais pas prêt. Comment ça va? Alors, on va enlever ça, tac. Alors c'est parti, on va pouvoir y aller. Tac. Je sais pas si on en a déjà qui sont dans la place. Donc on retourne sur Narita Boy, toujours notre petit platformer favori. On va essayer là de faire tout le monde bleu là. Enfin, le royaume bleu là, ça va être sympa. Ce qui peut être super cool aussi, ça va être d'avoir des clarifications parce que je suis perdu quelque part. Alors. Très bien. Ouh, super fort. Il est encore super fort. Ok. mon son, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi qui avais monté mon son dans mon casque. Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc c'est bon. On est parti. Tac. Ça devrait le faire là. Effectivement, le son sature à mort. Alors, si jamais il y a des copains dans le secteur qui me disent tout de suite si ça va ou pas hein, niveau son, parce que là, c'est un peu catastrophique. Alors, on est reparti. Connexion à Narita One. Je voulais faire un petit truc sur le setup en attendant que ça charge. Tac. Ok. Okay. Ah ouais, mais je... Alors c'est là. Box tech. Tech ici. Et hop là. Hop là, ça devrait le faire. Les enfants. Ah oui, d'accord. Y a plein de trucs qui vont pas. j'avais pas vu que le jeu était aussi décalé. Minasen. Allez. Tac. Quelques petites pertes de temps. Un méchant. Box. Hop. Parfait. Devrait aller. C'est parti. Alors.
Tac. As-tu fini de charger, non? Alors, nous sommes ici. À mon avis, ah, bien, ça reset un peu la vie. Salut Red Kraken, comment ça va? Oh là, ça va pas aller loin. Donc en fait, il nous a abandonné. Putain, mais fais chier. Le mec nous a finalement abandonné. Il n'y a plus de bateau. Donc en fait, je suis bloqué là, alors que j'aurais pas dû aller là. C'est super. Ok. Qu'est-ce qui se passe par là? Rien. Mal. Comment ça, mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'était super la petite baleine là qui a sauté. Alors. Bienvenue, je suis le compilateur. Salut marionnette, comment ça va? Bienvenue, je suis le compileur. Je vais te compiler la légende exéplanche avec laquelle vous pourrez fendre les os de la simulation Azure. Vous devrez utiliser ce transcripteur lansible de l'ancien portail qui vous emmènera à l'exé-île où l'exéplanche a été programmée. Vous devez trouver les programmeurs qui ont créé le code de l'exéplanche. Ramenez-moi son code compilé dans une techno-clé et je pourrai alors générer une copie fonctionnelle et stable destinée à votre intention. Mais c'est génial! Les autres veulent pas de moi parce que j'ai pas de pénis. Ah, bah oui, c'est. Si on fait des trucs entre gars. Non, mais. Non, je déconne. Par contre, ça, c'est chiant, mon chat. Qu'est-ce qu'il fait, là? Bébé? Bébé, t'es tout coupé? Ah non, mais merde. Ah, il était rogné, ce bâtard. Ok. Désolé, bah, petit problème technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si c'est pas correct au niveau du son. Ok. Ok. Hop là. Voilà. Alors. T'inquiète, ici on est entre zouz. Asie péping ma gueule. Alors, c'est pas une exclue uniquement pour les femmes ou les hommes, hein, Chiffrix, hein, il n'y a pas de. Alors, où c'est qu'il faut aller? Ah oui, j'avais pas réussi à faire ça. Ah si, bah, je l'ai activé. Ah, j'ai vu qu'il y avait le poisson qui avait fait un carré rouge. Ok. Ouais. Bah ouais, mais il me manque un peu un élément là. Ouais, je vais faire ça. Alors, j'ai pas noté ce qui s'est passé avant, donc on va vite être bloqué. Ah non, il y a des trucs bleus et jaunes là. Ah, ok. C'est bon. Ok. Tac. Tac. Ah, quel idiot. On est encore mieux entre Zoulette, ouais. Ok. Ah, si ça vous fait plaisir. Non, mais c'est de l'eau là. Ah ouais, d'accord. Bah oui, il y avait le. Ok.
Je vais beaucoup mourir. Ah, puis j'ai changé de format d'écran, donc forcément ça va rester. Ça risque de poser problème sur. Bah ouais, d'accord. En plus, le pire, c'est que mon écran est plus grand. Ça se voit pas. Hein. Mais putain, j'allais. C'est galère là. Ça se passe comment? Putain, je vais mourir 200 000 fois. C'est une honte. Merde. Putain, mais. Non, mais c'est. Je suis nul. Ok. Ok. Alors. Merde. Faut que je récupère mes réflexes. Ah merde. Putain, je fais n'importe quoi. C'est bon. Allez, casse-toi. Et putain. Oh, je vais mourir. Hein. J'ai fait nimp. Je me concentre pas du tout. Putain, mais je. Ah. Voilà. Les couilles là. Witch, it's time to break a witch. Ah, mais en fait, quand je la tape, ça me fait du mal. C'est quoi ce bordel? La cimère. Putain, mais. Ah, casse les couilles. Bon. Je me trompe de couleur. Ah oui, c'est comme ça. Je fais mais n'importe quoi. Hein. Déjà. Ok, pour commencer. Ok. Voilà. Allez. Voilà. 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 Ok, j'ai compris. Ah, elle me tape en l'air en même temps, d'accord. Ok.
garder ses distances en fait. C'est Covid. C'est galère un peu, hein. Ça passe pas comme ça. En fait, tu sais jamais ce que tu peux faire avec l'esquive aussi. Ça, c'est un peu frustrant. Merde. Moi, je suis vraiment comme un galérien là. Voilà. Bon. M'a gonflé. On a sorti le grand jeu parce que là. Sinon, demain on y était encore. Ah, ça sonnait. Oui. Qu'est-ce que je viens de faire moi? Ring, 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 le téléphone sonne. Ok. Ok, donc c'était bien par là. Narita Boy, bonjour. Nous vous appelons depuis les bureaux du comité des technocrates, à la capitale du royaume numérique. Oh, ça fait très sérieux d'un coup, là. Un peu... En plus, il est dans un truc, c'est un peu l'ambiance qu'il y a chez moi, qu'il y a derrière moi, là. C'est pas mal. Carte mère nous a informé de votre arrivée dans le royaume numérique. Et nous voulions vous rappeler que nous vous avons préparé une technoclé de vidage des données avec toute l'architecture de l'exéplanche mise à jour. Allez, venez nous voir à la capitale quand vous le souhaitez en utilisant le transcripteur qui se trouve en haut du bâtiment où vous avez pris cet appel. Au fait, un membre du comité m'a dit de vous demander de nous amener la technoclé qui ouvre la terrasse des bureaux si vous la trouvez. Enfin, il faut la trouver déjà. Il a dit qu'il a sûrement perdu sur l'ex-île où il était occupé dernièrement à transcrire des données obsolètes depuis nous avons pas pu aérer les bureaux, merci d'avance. Ah ouais, sympa. Ok. Donc c'est là, pause, ok, on n'a pas le code, ok. Il y a des portes un peu partout là, ça me frustre à chaque fois. J'adore cet endroit, il est très. Il fait beaucoup penser au village de la pluie dans Naruto. C'est rigolo. Très bien. L'exéil faut fonder pour créer le code architectural de l'exéplanche. Carte mère parvint à convaincre les technocrates de la nécessité de compiler un outil pour Narita Boy quand il aura atteint la maison Azure et avant qu'il ne traverse la simulation Azure. Un comité de sages et de technocrates progressifs se réunit sur l'exéil pour concevoir l'architecture de l'exéplanche. L'île prospéra et tout le royaume numérique put admirer le talent technique de ses architectures. On raconte que des technopères vinrent même sur l'exéil pour admirer l'élégante simplicité des scripts tissés à travers l'exéplanche. Juste avant de finaliser l'exéplanche, de nombreux technocrates du comité s'unirent avec le clan Azure, abandonnant l'île. Les quelques membres du comité restants, qui continuèrent à embrasser la progression, émigrèrent à la capitale du royaume numérique et fondèrent le quartier Azure, d'où ils continuèrent à mettre à jour et à améliorer le code de l'exéplanche.
Aujourd'hui, les technocrates travaillent main dans la main avec les agents et cartes mères pour la bureaucratie du royaume numérique. Depuis la tour de la progression, proche du noyau, dans l'abri du trichrome. Ok. Putain, les phrases sont à rallonge, c'est ultra chiant à lire. Oh, j'avais pas fait gaffe, il y avait un bonhomme en fait. J'aime pas Naruto. Bah, chacun son truc, hein. Moi, tu sais, je sais que Naruto est pas forcément le meilleur manga du monde. Mais alors, s'il y a un truc qu'ils ont su bien gérer, c'est les univers. Hein. Enfin, franchement. Ok. Donc là, il y a carte mère qui va apparaître. Ah non. Donc là, c'est un V. Ah oui, il me faut un papier et un crayon. J'avais oublié. Je reviens. Ouh là. Il me faut un papier et un crayon. Hop. Alors. Ouais, je comprends. Après, le scénario est pas ouf. C'est normal. Mais c'est un sujet qu'on développera dans pas trop longtemps, j'espère, parce qu'en fait, un truc qui est vraiment très intéressant dans Naruto, c'est justement l'effort qui a été fait autour des décors. Et j'ai beau comprendre qu'on se lasse ou que le scénario paraît tellement bateau que, mais il y a certaines choses qui sont intéressantes. Salut, chef Maëlys. Ah, ton pseudo me fait toujours marrer. Alors, c'était un V rouge. Ok, reprendre. Psst, psst, Narita Boy, j'ai quelque chose pour vous. La technoclé du gland azur pour accéder à l'eau à l'onsen. Mais vous aurez besoin d'une augmentation pour casser ces collisions. Si je ne me trompe pas, il garde cette augmentation à la réception du centre d'information touristique SCIT. Putain, derrière c'est une porte. Les agents ont mis à jour son code quand je leur ai parlé de cette étrange collision. Ok. Bah c'est cool live. Et là je peux faire ça, non? Non. Ok. Ouais, il est temps de... Ok, je suis déjà allé là. Merde. Hop. Et en fait, il y a plein de trucs que je comprends pas là. Ah, il faut aller là. On va peut-être aller d'abord là, du coup. Ok, donc c'est une espèce de U bleu. Il ne manque plus que le jaune. Trop stylé. Kiko Chevalier, bienvenue entre belettes. Merci Velette RPZ. Ouais, bah vous êtes un public fort féminin. Ah bah c'est un trait en fait. Mon fils aussi. What? Ah mais ça en fait je suis sûr on interprète le fils du créateur. J'en suis persuadé, c'est ouf. Hop là. Très bien. Tu veux voir à quel point je monte pas les couilles, frère? Ah, je suis mort. Ah, on a compris. Ah, putain, les traîtres.
Voilà, ça c'est fini. Non, je vais pouvoir m'occuper de vous. Oh, il casse les couilles là. Oh le bâtard! T'as trop de groupies, Mister Ruler. Bah. Je m'en rends compte finalement. Très bien. Ça marche pour moi. Ok. Voilà. Voilà. Merde, je me trompe de... On se calme les lapins. Et voilà. Voilà quelque chose de bien. Non, ça se passe le boulot. Tu veux vraiment savoir? Ouais. Ouais, moi ça se passe. Ça se passe sereinement vu que je me fais chier, je t'avoue. Mais ça se passe. Ah, en fait, mais non, je suis trop con. Ok. De toute façon, je vais pas te mentir, Maëlys, ça va pas être mon job. C'est très bien pour passer le temps, je t'avoue, et gagner de l'argent. Mais sinon, ouais. Après, ce qui est le pire, c'est que en plus, je suis en train de m'attacher à tout le monde. Ça, c'est la tristesse. Ils sont tous adorables. Attendez les gars, vous m'avez demandé un Chanel bouffe. Moi, je m'en sers. Enfin, au bout d'un moment, je le fais le Chanel. Enfin, vous, franchement, Rel, vous me demandez un Chanel bouffe. Je vous fais un Chanel bouffe. Mais il faut l'utiliser. Faut que ça soit un vrai échange culturel, nom de Dieu. Et t'imagines, après vous m'avez fait d'autres demandes, bah pareil, il faudra l'utiliser. Hein, c'est... Bon, après, ça vous faites ce que vous voulez, mais. On était dans le V. Et je crois que bah du coup ça doit être ça. Ouais, c'est clair, ce que je vais faire, je vais profiter. Pourquoi pas y rester quelques mois? C'est qui siffle? Ah, c'est les mecs qui sifflent. Bon, pourquoi pas y rester pourquoi pas y rester quelques mois au boulot? Bah, je vais y rester. Si je vous montre ce que bouffe le midi, vous allez vomiter. Bah, c'est un challenge, comme ça tu te fais vraiment à bouffer. Bah, moi j'ai passé j'ai pas assez de temps pour cuisiner en ce moment, c'est charbon. Ouais, bah ça, c'est une excuse de merde, hein. tu t'es plus à l'école. Hein. Moi, je te crois pas. Après tout ce qu'on a traversé à l'école. Ah putain, j'ai oublié de remettre la cam, désolé. Surtout qu'en fait, je peux boire sans. C'est complètement débile. Ok. Parce que j'ai repris mon casque. Très agréable. Non mais je sens que je vais venir. Je sens venir que le NSW, vous allez encore vouloir jouer entre vous. Ah bah non. Tous les Discords sont. Tout le Discord est public et pour tout le monde. Après ce channel là particulièrement, je pense que ce sera un channel pour les anciens. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants, je leur laisserai pas vraiment accès. Enfin. C'est. Ça sera un truc vraiment pour vous, pour dire de la merde, quoi. Comme ça, le patio commérage pourra redevenir à peu près correct. Et les gens pourront discuter tranquillement. Mais voilà.
Je bosse à la bouffe en plus. Ah, ok. Bah, moi je vais voir ça. Ah, mais moi je compatis énormément, Aurèle, il faut préparer ta bouffe le soir, tu vois. Genre pour le lendemain. Pour jouer au petit train. Mais tu joueras au petit train avec d'autres gens. Hein, t'inquiète pas, hein, c'est juste que nous on se fait des soirées privées. Puis c'est pas un petit train, c'est plutôt un gros train pour le coup. C'est qui envoie des liens YouPorn? Je veux pas le savoir ça en fait. Faites pas ça sur mon Discord s'il vous plaît. Enfin sauf si on fait un chan échange de ref. Mais dans ce cas-là, ça sera encore un truc encore plus sombre quoi. Après, ça s'appelle du MP ça. Je sais pas ce qu'il siffle le mec, mais... Merveilleux, vous avez réussi à arriver là. Tenez, Narita Boy, cette technoclé de vidage des données est la substantifique distillation de notre savoir algorithmique. Putain, je vais lui mettre un coup de boule à ce mec. Nous sommes très fiers de vouloir vous offrir la meilleure explant jamais conçue. N'oubliez pas de vider les données de la console du techno-gourou. Il compilera une copie stable à votre attention. Putain, pourquoi utiliser des mots compliqués quand on pourrait faire simple, quoi? Oh, mon camarade technocrate, vous a-t-il délivré mon message? Vous voyez, je ne retrouve plus la technoclé d'accès à la terrasse. Cela fait des jours que nous essayons en vain d'aérer le bureau. Comme vous pouvez le constater, l'air est opaque tant il est pollué de vieilles lignes de code. Waouh! Quand vous retournerez sur l'île. Tout ça pour nous dire qu'en fait, il faut qu'on retrouve la clé. Hein. Chose qu'on sait déjà. Donc, je vais pas me faire chier. Et je sais pas si on la trouvera. Est-ce qu'on fait tous les à côté? Après, ça, j'en sais rien. C'est resté en MP, normalement, c'est bien. D'ailleurs, elle, t'es cuistot. Bah, ouais, elle avait dit. Elle gère la boostify. Auto West. Peut-être qu'on va trouver tous les trucs là-bas. Ah, ok. Merde. Alors. Ben. Arrête de jouer au con. Voilà. Attends, comment on fait pour aller là? Putain, mais... Sérieux, frère? Allez. Je suis désolé, je suis pas tout le chat. Pour des raisons un peu cons, d'ailleurs. C'est que... Tac, j'ai pas assez de visibilité. Je sais pas si je peux le mettre en plus petit le chat. Normalement oui. Tac tac. Parce que je vois rien en fait. Aspect du chat. Je vais le mettre en tout petit. Voilà. On va faire ça comme ça. Ok. Ok. Là, je vais voir un peu plus de messages. Voilà. Nous, on veut voir la soupe aux choux, là, Rel. Bah, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, là. Donc, j'ai peut-être trouvé sa disquette, j'ai pas fait gaffe. Je pense que j'ai trouvé sa disquette parce qu'il n'y a pas trop d'autres endroits. Hein. On va retourner sur le truc, là.
Bah, c'était pas ça. Putain, me casse les couilles là. Ah, je crois que j'ai tout fait là. Oh là 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 là. Aucassan, merde. Ok. Je comprends pas l'idée là. Mais elle est dans un puits. On peut pas la sauver? On va passer par là. Peut-être sauver la daronne là. Wow, c'est trop beau la lumière. Oh encore? Je te déteste, fils de chien! Chien de la casse, comme dit Keft. Ok, ça me saoule d'avance ce truc. Ce que je vais faire, c'est déjà je me fous. Alors, tac. Voilà. Liu-chan. Et... Ok. Voilà, technocrée. Capitale annexe. Ah bah c'est peut-être ça alors. Ok. C'est bon, elle est en bas. Pour ton courage à demain, là. Alors. Eh merde. Hop là. Hop là. On va refaire le code 25 000 fois, moi je te préviens. Sinon, vous, ça se passe comment vos journées en ce moment? Voilà. On va pouvoir ouvrir ta putain de fenêtre. Ouais. Putain, c'est méga overstylé ce putain! Tenez Narita Boy, nous avons réussi à intercepter cette clé étalon avec une double couche de cryptage. Utilisez-la pour accéder à l'intérieur du coffre étalon. Moi je crois que je suis parti pour faire 45 heures par semaine. Ah bah refuse. Non ça c'est pas possible, tu fais ce que tu veux. Enfin, t'as le droit de donner des heures gratos à ton boss si t'as envie, mais te fais paniquer quoi. Ou alors essaye de faire en sorte de pouvoir avoir des récup parce que c'est pas bien. Hein. J'en ai tranquille, Red. Ok. Enfin. Mais fais gaffe, enfin Maëlys, hein, parce que c'est pas normal. Hein. C'est pas eux qui demandent. Enfin, c'est qui? C'est toi? De toute façon, ton patron, il va jamais rien te demander. Hein. Ça sera les projets qui sont comme ça. Hein. C'est juste à toi de mettre des freins. Hein. Eh, tu crois quoi? C'est à lui de pas s'occuper de la gestion. Hein. S'il y a des problèmes de calendrier, c'est de sa faute à ton boss. Hein. Après 13 ans de taf, ça me démange plus. Ça me dérange plus de me branler un peu la nuit. Ah ok, bah ouais, bon. Moi, tu sais, j'ai pas attendu 13 ans de taf pour me branler la nuit. Hein. Je vais te dire, après une digestion, pendant 3 heures, je t'affuie. Hein. Fais semblant. Hein. T'as atteint le dernier grade. Ok.
Cet événement de type coffre est apparu soudainement à côté de l'Onsen. Lors de la dernière révision, nous pensons que le programme étalon qui réside a volé l'une des exodisquettes de sauvegarde. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser ces exodisquettes pour restaurer la première mémoire du créateur, celle qui a été détruite par les hackernautes dans la chambre de la mémoire défaillante. 45 heures, c'est trop. Bah oui. Il y est pour rien, c'est moi qui me motive. En vrai, le projet est stylé. Ouais, mais c'est pareil. Là, t'es en train d'offrir des heures, tu pourras pas, peut-être pas avoir de récup. Enfin, wesh. C'est aussi fait pour ça, les heures de boulot. C'est aussi pour rythmer les pauses, hein, que tu ne prends pas de manière intelligente. Hein. Faut pas croire. Hein. Enfin, moi, je comprends tout à fait que t'as envie de bosser plus parce que le projet te plaît, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Toi, t'es payé pour faire tes 35... merde. Tes 35 ou tes 37 heures, mais... Putain. Je tombe juste où il faut pas. Voilà. En tout cas, le paysage urbain qu'on vient de voir était juste somptueux. Bon. Oh mon garçon, vous serez prêt, prenez l'exoplanche. Quand vous serez prêt, prenez l'exoplanche et surfez au-delà de la simulation. Surfez les vagues du code, sentez l'événement brise et faites en sorte que les étalons tremblent sur votre passage. Ouais, mais en fait, moi, je voulais aller par là. Retourner par là, en fait. Parce que j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Dans le scénario. Ok. Comment on prend la technoplanche, du coup? Ah, là, elle est là. Oh, c'est une disquette, wesh. Floppy board. C'est une disquette. Trop stylé. Avec exoplanche, vous pouvez surfer sur l'eau. Sortez là ou rangez là pendant que vous êtes en l'air. J'ai pas compris, mais on va essayer. Trop bien. Trop bien! Du coup, je vais pouvoir retourner dans l'autre sens. Oh, trop, trop bien. Si c'est pas beau, ça. Ouais. Trop marrant. Il se casse la gueule s'il est pas sur l'eau. Ok. Trop marrant. Ah, ça me fait des coloris. Oh, c'est super agréable avec... Ouais, mais vas-y, Balek, je suis en CDD, après je me reposerai. En vrai, j'apprends des trucs et de toute façon, avec le couvre-feu, c'est pas comme si j'avais des soirées intéressantes sans perspective. Bah si, tu pourrais faire de la cuisine. Tu pourrais streamer avec Keft. Tu pourrais même streamer avec moi. Putain. Wesh.
En plus, t'as tellement de jeux que tu t'es pas fait encore. C'est des heures que tu récupéreras jamais. Bah oui. C'est pas comme si t'avais pas passé déjà ta scolarité à bosser, hein? Ouais, t'es sérieuse. Ah, je sais pas comment tu fais. Je peux pas aller là-dedans. Oh, Narita Boy, bienvenue au centre d'information touristique SIT. Ce programme qui sanglote de façon incontrôlable est le réceptionniste. Il est responsable de la gestion de tous les programmes qui ont choisi de prendre quelques jours de repos au calme dans les eaux apaisantes de l'Orensen. Les seuls de la maison du rayon azur dans lequel peuvent se baigner les programmes qui n'appartiennent pas à cette maison. Mais il ne va pas pouvoir s'occuper de vous ni vous donner la technoclé des technocrates, l'un des deux exemplaires qui permettait d'entrer dans l'Onsen. Depuis l'invasion des étalons, le réceptionniste essaie d'appeler son programme frère, le gardien du phare, mais ce dernier ne retourne pas ses appels. Il dit que ce n'est pas normal car son frère répond toujours et il est sûr que quelque chose lui est arrivé. Si vous souhaitez débloquer la situation, vous allez devoir vous rendre au phare et découvrir ce qu'il est advenu du gardien du phare. Je crois que c'est le seul moyen de sortir de son programme frère de sa transe afin qu'il soit dans de meilleures dispositions pour vous donner la clé de l'Onsen. Vous avez besoin de cette clé car à l'intérieur se trouve une mémoire corrompue du créateur que vous devez libérer. Okay. Narita Boy, écoutez le son authentique du rayon de la maison azur. Notre Teiko Sensei l'a composé dans un moment de pure introspection, connecté à l'union techno-mystique, c'est toujours plus quoi, de notre cycle actuel. Fallait... Ah bah fallait le dire, quoi qu'il fallait le dire. Ouais mais je ne sais pas, ça vide la tête de bosser. Ouais bah ouais. Je switcherai, ok. Je disais à Keft que vous devriez pas stream en même temps. C'est pas déontologique. Quoi? C'est pas déontologique. Bah c'est qu'en fait on prévoit pas, enfin lui il a son programme, il stream beaucoup. Et moi je stream moins et je stream quand je peux. Donc, plus tard, oui, s'il y a un programme à mettre en place, on le fera. Mais de toute façon, il se peut que, à l'avenir, le stream d'Archifric, ça soit tous les jours, parce que les jours où je streamerai pas, normalement, il est censé avoir Patrice qui va. Enfin, Doc, qui va reprendre le relais, quoi. Et Dr. Cutter ne streamera peut-être pas les soirs où je streamerai pas, donc il y aura des soirées où on sera pas connecté, quoi. À cette occasion, on se fait un Yves ou je sais même pas ce que c'est. Chacun de ces octets me bouleverse, m'inspire et active en moi un sous-rythme exceptionnel de mon code. Il me casse les couilles lui aussi. Hein. Oh mon programme frère, pourquoi lui un bon programme technocrate dévoué aux autres qui éclaire sa lumière ceux qui s'égarent dans la brume épaisse de la simulation azur. Oh pourquoi lui. Donc il faut aller au phare, ok. Le phare. Ok, le phare, c'est le truc qui était sur les eaux là-bas. C'est un grand arbre, on dirait Gaïa. C'est pas le phare, ça. Il est où le phare?
Ouais, bah c'est ça. Oh. Et donc ça, le fer. Oh, on est sur l'arbre. On est à l'intérieur du sol. Trop marrant. Ok. Super beau. Ok, il y a trois petits trucs rouges comme ça. Ok, on peut pas leur parler. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Ah, je suis mort. Un suicide. Et pourquoi il a pas sauté comme je voulais? C'est tout? Pas compris là. Ah bah ça devait pas être ça le phare du coup. Être ça le phare. Non, c'est pas le phare, ça. La musique est super cool là, hein. C'est incroyable. Établissez un planning, bah on verra, on fera ça. Mais s'il y a besoin, il y a besoin, hein. En vrai, là, c'est exceptionnel que je stream aussitôt. Hein. J'ai pas prévenu avant, c'est juste que j'ai eu l'occasion, quoi. Établi. Tu peux. Yves O, t'as déjà joué Ben, c'est avec les gâchettes. T'as des signes avec deux bras. Quoi? Non, j'ai jamais joué à ça, moi. Ça me dit rien. Chef Malice, je pense que je vais boire ma bouteille de martini ce soir. Je divisais pas pour ce soir, mais à l'occasion. Ok. Je vois pas ce que c'est ce jeu, mais à l'occasion, volontiers. Dimanche, ex-vessel, je serai là. Je sais pas ce que je fais dimanche, mais le live, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être une occasion de regarder un live. Bon bah c'est... Bah vrai, on sait toujours pas où c'est ce putain de phare. Hein. Mais il est où le phare putain? Y'a pas de carte. Bon bah je vais aller d'abord aux sources, du coup on fera ça après. Hein. Ça me gonfle, je sais pas, j'aime pas partir à l'aveuglette comme ça. Salut Pauline, comment ça va? Ah, j'ai joué avec Marionnette et Kev, t'as ce jeu-là? Ah, peut-être, alors. Ah oui, exact, c'est quand tu dois te balancer d'une structure à une autre. Ouais, il est assez phasant comme jeu, j'ai bien aimé. Bah, on pourra se faire ça, ouais. Comment ça va, Pauline?
va un peu dans le rush, mais ça va et vous? Ah, t'es dans le rush. Ça taffe dur. Là, faut faire plaisir à tes profs, là. C'est l'occasion. Enfin, du public un peu masculin, parce que là... disons que j'étais un peu trop entouré de femmes, et j'aime bien l'hétérogénéité. Je t'ai invité via Facebook, histoire de voir un petit groupe coolos, quoi. Ok, bah... Je vais voir, de toute façon dimanche, je sais plus ce que j'ai à faire, mais quoi qu'il arrive, c'est sûrement un truc que je peux faire en même temps, quoi. Narita Boy, bienvenue à la maison du rayon Azur, demeure des technocrates et du clan Azur. N'oubliez pas que votre mission est de libérer les mémoires du créateur qui émerge du code de cette région. Rendez-vous à l'Onsen, les sources chaudes, à l'intérieur se trouve une mémoire qu'il vous faut libérer. Ok. Mais merde, je viens de le faire, je suis con. Désolé, j'ai cru que c'était un autre truc. Ok, c'est quoi ça, ce chemin vers ici? Ouais, bah ça on s'en fout. Ok. Hop là. Putain, mais j'ai lâché la gâchette. Là, il faut trouver le code. Quel est le code? Mais merde! Axel Hansen est condamné, un puissant étalon est apparu à l'intérieur et le protocole d'urgence a été activé. Pour entrer, vous aurez besoin de deux technoclés d'accès, la technoclé des technocrates et sa technosœur du clan Azur. En tant que membre du comité progressif, je peux vous dire que la copie des technocrates est gardée par la réceptionniste du centre d'information touriste SIT. Attends, s'ils sont en train de me dire qu'en fait pour rentrer là-dedans, faut que j'aille... Donc j'ai fait accomplir la quête du truc qui est cité là. Ça va vite me gonfler. Ah, ça c'était par contre assez cool d'avoir fait le truc du coup. Oh 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 oh. Redbeard. Troubing. Ah, il parle en français. Il dit touché. Ok, wesh. Bon bah il est temps de s'amuser hein. Allez, on va essayer de faire ça au moins. T'as pas avancé. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah gros bisous, chef. Ouais, excellente idée, haha. Je t'ai invité via Facebook, hein, ok, bonne soirée. En fait, ça va être le concert du siècle. Ah oui, de quoi tu te plains, toi? Bisous, chef Maïs. Mandora, tu connais Ex-Vessel, toi? Ex-Vessel, c'est stylé. Oh putain. Oula. Putain. Ah ouais. Je suis ce putain d'animal de mes couilles là. Incompréhensible.
Ah, trop bien. Trop bien. Bah ouais, grave cool. Oh putain. Je peux pas le toucher ce bâtard. Ech. Casse les couilles là. Il m'énerve en plus à faire ho ho ho. Ça va me gaver là. Merde, putain, je vais dans le mauvais sens. Allez, prenez ça dans la gueule. Putain, mais sérieux. Moi, je commence à avoir compris comment fallait faire. Faut passer derrière lui et shooter l'oiseau, mais en même temps lui, si on peut, enfin, c'est un peu bizarre. En gros, faut skiff, 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 et après, faut tout envoyer. Non, bah déjà, ça commence bien, tiens. Merde, putain! Putain, mais je passe là, casse-toi. Putain de perroquet de mes couilles. Oh là là. En vrai, si ça nous gonfle trop, on va l'abandonner. Hein. Voilà. Kill papa.
Rita, rira bien qui rira le dernier, d'accord. Floppy disk backup. Je sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai. Ça se trouve, ça a une utilité uniquement si on en trouve tous les autres. Donc en fait, à voir. Donc en fait, là, j'ai pas compris. Pour y aller, chercher, libérer les mémoires de 1, entrer dans l'onsen des sources chaudes, trouver la technoclé du plan Azure, accès à l'onsen Exeim. Mettre la main sur les technoclés d'accès pour entrer dans l'onsen. Mettre la main sur la technoclé d'accès des technocrates SIT. Chercher l'augmentation au centre d'information touristique. Ok. Aller au phare et découvrir ce qu'il est devenu du gardien du phare. Ok. Donc en gros, si, c'est bien ça. Il faut aller tout de l'autre côté. Il n'y a pas moyen de monter là-haut. Hein. Merde. C'est pour me la péter là. J'ai pris la disquette là. Merde, je suis con. J'avais pas vu qu'il y avait. Bah si. Ainsi, Narita Boy, à nouveau, le phare nous guide. Nous ne pouvons prier, perdus, que nous étions dans la brume épaisse, croyant que notre dernier cycle était arrivé. Mais vous êtes soudain apparu sur votre exéplanche, maîtrisez totalement la simulation, et ça nous a bouleversés tout en nous donnant espoir. Merci, fils du Tricôme. Et j'ai pas fini. What? What? Mais qu'est-ce qui se passe? On comprend rien là. Ok. Pas très bien compris, j'ai dû faire le tour de la map. Yes. Si au moins on pouvait trouver le phare, ça serait pas mal. Merde. Tomber à l'eau. Please help! Et qui toi? Comprends pas, putain. Ah merde.
Non mais... Vous allez me gonfler, hein. Le phare est par là. Là, je comprends pas ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire sur ce truc-là. C'est vraiment très étrange. J'ai vraiment du mal à capter... Là, je suis déjà allé tout en haut. Et il y a ce truc là. Se poser dans un coin là. Non. Merde. Ah, j'ai senti arriver. Dang. Bah oui, non mais tu te fous de ma gueule là. Ah, il t'indique où sauter, c'est pas trop bien. Ok. Très gentil. Okay, bah c'était là le phare. Ok. Ah merde, j'avais pas vu que c'était un rail d'eau là. Insupportable ce truc. Alors, ça je suppose que c'est de l'eau aussi. Et lui il est moche. Alors, on a un problème. Keft, c'est qu'on vient de me dire à l'instant qu'il fallait pas qu'on stream en même temps. Alors je suis désolé si j'ai stream en même temps que toi, mais apparemment ça convient pas à certaines personnes sur ce stream. J'espère que ça va, bon. Alors. En fait, je viens de penser, c'est on dirait la pochette de Tool, le personnage qu'il y a derrière là. Et tout ça déjà? Oh, c'est là. Oui, t'es fatigué? T'as bossé aujourd'hui? Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop beau. Non, je dors mal. Ah merde. C'est à cause de quoi?
Tu sais? Ou c'est juste comme ça? Tu sais, souvent quand on dort mal, c'est qu'on n'est pas très actif, hein. Ah, tu bosses demain? C'est cool ça! Si t'as. Si. Si même si t'es fatigué, t'as la niaque d'aller bosser. Je me souviens d'un nouveau foyer. Mes grands-parents m'accueillirent dans leur petite maison dans la vallée. Je me souviens d'être allé aux courses de chevaux avec grand-père chaque dimanche. En fait, il y a un contraste que j'aime beaucoup. Le téléphone. Ça, le téléphone. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, quelque part, c'est que autant ils sont super lourds sur les autres textes et tout, et autant sur ces petits textes-là, c'est super agréable à lire. Enfin, bref. Oui, de toute façon, mon corps me lève à 7h30, donc... Alors que je bosse pas. Bah ouais. Je me souviens d'être allé aux courses de chevaux avec mon grand-père chaque dimanche. Là c'est tout con, mais juste ce petit effet de parallaxe là, ultra efficace pour montrer les jeux de plans et tout. Mon grand-père n'approuvait pas ces excursions, mais lui savait à quel point j'adorais regarder ces étalons chargés, tels des rayons de lumière faisant trembler le sol sous leurs sabots. J'ai rêvé être un chevalier samouraï, enfourchant mon destrier, maniant mon épée aux trois couleurs, les couleurs du trichrome. Je l'ai expliqué à mon grand-père, fasciné par les vapeurs mystiques des sources chaudes. D'où le côté un peu vapeur wave et tout. Hein. Hey, hey. Bien joué. Non, là, il est un peu plus long que d'habitude. Hein. Je me souviens aussi avoir été la cible de raillerie de mes camarades de classe. Je savais que mon sang venait des deux mondes bien différents. De deux mondes bien différents. Ah oui, parce qu'il il est américain et japonais. À cet instant, un troisième monde grandissait à l'intérieur de moi. Le royaume numérique. Le royaume des trois rayons du trichrome. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que... On pourrait se dire... On pourrait se dire que cette histoire-là, elle est bateau et tout et quoi, mais elle peut justifier pas mal la manière dont le jeu est fabriqué. C'est assez méta dans une certaine manière. Et puis avec le truc, le corps translucide, la toule, ok. Alors. On va essayer de finir le truc du phare, puis après on va se laisser là parce que ça. Ok. On est toujours pas au phare là. Non mais c'est quoi ce bordel? Ah ok. Il ne répond pas, Narita Boy. Il n'ouvre pas la porte et ne répond pas à nos appels. Le gardien du phare ne donne aucun signe d'activité cyclique. C'est inquiétant. Nous sommes inquiets car la simulation de la brume, pure chicanerie de la simulation Azure, a aspiré beaucoup de programmes de la maison Azure. Ils fuyaient sur leur bateau la menace des étalons, et le phare les a toujours guidés à bon port, vers la côte.
trouvez le moyen d'accéder au phare et découvrez ce qu'il est advenu du gardien du phare. Et pour l'amour du trichrome, réactivez le rayon qui guide les nôtres. Ok. Ça sera fait, Goy. J'ai pas trop l'impression de pouvoir aider là. Ah, elle est là la rentrée, d'accord. Ça sonne encore là? Faut pas répondre au téléphone? Non. Ah, mais il casse les couilles là. Voilà. Quoi? Où ça, sacrebleu? Que le créateur me pardonne, je me suis endormi. Je surveillais l'horizon comme d'habitude quand j'ai été submergé par une terrible inquiétude et une vague d'idées noires à propos des étalons. Je me suis allongé un instant pour me calmer en comptant les moutons électriques et... Je me suis complètement endormi. Je suis désolé, l'événement brume a dû être exécuté en mode pureté absolue. True. Et mon frère, la réceptionniste, il doit être mort d'inquiétude. Faites-moi une fleur. Quand j'activerai les sous-routines du phare, apportez-lui cette technoclé. Elle n'ouvre pas la L2, elle n'ouvre pas de porte, mais il y a ma photo dessus. Si vous lui donnez, il saura que je suis sain et sauf. Je me suis toujours dit que c'était une bonne idée de m'écraser le visage sur une disquette. Wow. Pourquoi t'as commencé à 20h? Bah parce que j'ai l'occasion de pouvoir le faire. Comme tu vois, je ne suis pas dans ma dans ma chambre-salon de mes parents. Je suis chez une jeune personne très sympathique qui m'a invité. Du coup, j'en profite. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, ça serait streamer plus tôt, hein, c'est sûr. Hein, parce que 22h, ça fait tard, hein, gars. Alors. Oh, putain. Ok. On va faire les choses en l'ordre, on va la rapporter au SIT. Putain, vous êtes sérieux les gars, on peut pas ça passer à travers. C'est naze. Oh mais alors là... D'accord. Oh putain, et c'est... Ça veut dire il faut que je m'arrête. Je streamerai plus longtemps la prochaine fois. Ok. Ah, j'ai enfin réussi à... Mais oui, je viens de comprendre un truc. Faut pas rester appuyé. Ok. Oh, on me casse les couilles là. Merde. Trop présomptueux. Putain, mais je maîtrise rien du tout. Hein. C'est incroyable. Boulos, quoi. Mais non, mais... C'est un gag.
Merde, je voulais re-sauter. Ok. Et t'as streamé quoi d'ailleurs? Pour tous les pixels évanescents, mais que détecte mon capteur? Par tous les pixels évanescents, mais que détecte mon capteur? Cet excès de disquette avec le visage imprimé de mon programme frère est la preuve irréfutable qu'il est encore opérationnel. Lui seul a pu vous la donner. Et c'est la preuve que son code est toujours ancré aux lignes du royaume numérique. Je ne pourrai jamais vous remercier assez, mon numérique étranger. Si vous cherchez ma clé de l'Onsen, je dois vous dire que je ne l'ai pas. Enculé. Du coup, on a tout fait ça pour rien. Au plus profond du désespoir, quand je pensais à commettre l'irréparable, j'ai décidé de la confier aux anciens. Des programmes séculaires de la simulation Azure, des programmes superviseurs du code source de notre maison. Vous les trouverez derrière cette porte. Prenez cette clé pour y rentrer dans les salles attenantes. C'est la voie qui vous mènera à la techno-clé des technocrates pour l'Onsen. Wow. En ce moment, je spam Apex Legends et je joue et j'ai joué à Woodward. Ouais, j'ai vu que t'avais joué à Woodward, j'avais vu un stream. Mais Apex Legends, je regarde pas trop, ça m'intéresse pas des masses. Enfin, je viens pour voir Jay, mais... Enfin, pour voir Jay. Pour voir toi rager avec Jay. ok, on va juste finir ça, et puis moi je vais arrêter. Don't stop. Ah bah du coup, c'est la même technique qu'avec le robot. Trop bien. Ça va être une technique de ouf. Tac. 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 Et tu crois que je vais me faire chier à remonter? Absolument pas. Ah non, par contre, ça me fait chier. J'avais pas envie de ça maintenant, là. Voilà. Voilà. Ah ouais, d'accord. Merde, putain. Culé. Bon, j'ai fait que de la merde. Ah oh, putain, je l'ai pas eu. Putain, mais je fais de la merde. Ok. Ah, casse les couilles. Ah, tu me casses les bonbons. Vas-y, dégage. Oh putain. Oh putain. Ok.
La musique fait très Zelda quand même. Hein. Oh putain. Voilà. On a cassé les couilles. Les anciens de la cascade, nous avons été invoqués. Narita Boy, l'azur est puissant en vous. Fort comme l'espoir que vous faites naître dans les maisons du trichrome et aux quatre coins du royaume numérique. Nous savons pourquoi vous nous avez appelés. Vous cherchez la technoclé, celle qui vous permettra d'accéder à ce qui fait l'orgueil de notre maison, l'onsen du rayon azur. Les personnes qui en étaient responsables nous a demandé de la garder précieusement au cas où il arriverait quelque chose, ou si vous veniez la réclamer. Du coup, la voilà. Souvenez-vous que vous aurez besoin de sa technoclé sœur, la copie du clan Azur. L'Onsen possède un double verrouillage à l'instar de la maison du rayon Azur. Pour entrer, il vous faut comprendre la dualité. Narita Boy, au plus profond de la méditation de la simulation Azur, nous soutenons votre combat. Notre code vous recouvrira et vous protégera comme celui des innombrables sages et anciens de tout le royaume numérique. Un réseau existe. Invisible, mystique et à peine perceptible, grâce auquel nous pouvons subtilement vous aider à devenir le meilleur héros ayant foulé le sol hexadécimal du royaume numérique. Encore plus long, frère. Bonne chance, fils du trichrome. Wesh. Super. J'ai plus qu'à rentrer à ma maison. Voilà, suicide. Hop là. Ah oh oui, d'accord. Aucune pitié. Bien. Et bah... ouais. Je crois que j'ai la flemme quand même de faire ça. Hein. Ouais, bon. Allez, il est l'heure. Retour au menu, yes. Alors. Ok, hop. Tac. Juste 2 secondes. Tac, hop. Hop là. Bon, bah c'était sympa. Alors. Et bah, Kieft, va falloir que je te prévienne là, quand je stream plus tôt. Hein. Et, comme ça, certains ne seront pas surpris. Mais je pense que de toute façon, toi tu stream tous les jours, donc je vois pas en quoi ça changerait quelque chose, quoi. C'est vrai qu'on si on est sur le même plage horaire si je stream à cette heure-ci, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, merci d'être passé. Je n'entends pas de son, est-ce que c'est normal? Ah oui. Ah voilà.
Et voilà. Non, mais on s'en fout. Ouais, c'est Rael Kraken qui rageait. Je dénonce. Non, mais à voir. De toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, hein, on s'arrange. Sinon, bah, c'est cool de streamer sur 6, ça me permet de faire un peu autre chose de ma soirée. Voilà, je me sens un peu moins condensé. Voilà, c'est mieux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour le prochain stream. On a Rita Boy, du coup. Ou Mutation, c'est chill aussi. Mais on fera plutôt, à mon avis, du Narita Boy en semaine. Parce qu'il est lourd. Il est lourd. Et du Chillax et du... ouais, on verra. Mais peut-être du multi en week-end, ça serait pas mal. Gros bisous. Alors, tac. Enfin, gros bisous. 30 secondes. J'ai oublié de faire un truc. Et même pas de checker. Vous voulez aller chez quelqu'un là? Que je reste chez quelqu'un. En profiter vu qu'il est tôt. Je sais pas. Ah aussi, tiens, on va raid sur Mditz. Elle a. Oula. Elle joue un super jeu. Voilà. Bon allez, gros bisous. À bientôt. Pouvoir. Okay.